Hop, sinon ouais, pour les conversations, je trouve c'est du coup pour la 5G. La 5G. Ah ben, premier degré, j'ai cru que c'était une Pokéball, je suis un débile. Oh le débile. On voit juste sa Pokéball qui vole au PNJ. Je trouve qu'honnêtement, la 5G a apporté les meilleurs persos. Les persos les plus réfléchis, entre guillemets. Peut-être un peu trop au final. Ils étaient peut-être un peu trop réfléchis, les Pokémon. Les persos. Mais après, c'est pas le jeu qui a apporté le plus à Pokémon. Déjà, pour moi, là où ils ont fait une erreur aussi, sur la 5G. Enfin, c'est même pas forcément une erreur. Mais c'est repartir sur 150 nouveaux Pokémon. Ça, c'était pour moi vraiment une erreur. Après, c'est pas une erreur pour tous, quoi. Au final, les 150 Pokémon qu'ils ont apportés, ils étaient quand même ok pour la plupart et puis très bons pour d'autres. Ouais, ils ont voulu faire un nouveau jeu. Ouais, c'est ça, c'est dommage, du coup. Puis ben, en général, en plus, la 5G, c'est la seule génération où enfin, du coup, j'allais dire opus tertiaire, mais c'est pas opus tertiaire, opus secondaire plutôt. J'allais dire tertiaire dans le sens où c'est le troisième, mais là, c'est même pas le troisième, c'en est deux d'un coup à partir de cette génération-là. Où du coup, j'ai cru qu'il était gris, le Mimiki. Où du coup vraiment on a une suite directe à ce que on a de Scalpion, j'ai déjà je crois. Ouais. Ce qu'on fait sur noir et blanc, on a une suite directe avec les impacts de ce qu'on a fait sur noir de blanc 2. Je l'avais pas faite à l'époque. Ok. Moi pareil, j'avais pas fait noir de blanc 2. Parce que du coup j'avais sauté cette génération là, enfin cet opus là. Ouais, je l'avais fait aussi sur émulateur pour la première fois. Pas longtemps pour avoir fait XY d'ailleurs. Du coup j'étais revenu sur Pokémon XY, mais puis en plus de ça j'étais sur une période où j'avais pas spécialement envie de jouer à Pokémon. J'étais en train de grandir, tu vois, je me suis dit ouais je grandis. Qui vote pour les gamins. Une envie, c'est de jouer à Pokémon tout le temps. Ben en fait, on va vraiment devoir passer, enfin aller là-bas. Hein. Au final, on peut pas aller là. Hein. Ouais, bon. Bah tant pis, on va aller là. En partant de là, du coup. Eh bien, je te souhaite une très bonne nuit, Alta. Merci d'être resté aussi longtemps. C'est sympa. Mais avant. Non, c'est vrai que le Wild Rove il est cool. C'est tout con en plus, hein. J'ai simplement étiré la cam quoi. J'ai fait une transition qui étire la cam. Tout con. Mais c'est trop bien. Si vous voulez pour une os qui court. Je veux aller à ce concert. Bah écoute, vas-y. Des bisous. Vaf. Un sale Arsène.
Tunnel, ça va pas tuer, je pense. Hein. Je vais mettre. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il se met sur les fesses. Regardez le bébou derrière. Putain, c'est à one shot le Salarsen. Ah, tiens, d'ailleurs, faut que je regarde les stats et puis la nature. Enfin, tout en fait, on n'a pas regardé les stats et la nature. De nos deux nouveaux poké. Ah, neutre. Encore un Pokémon qui tape sur le physique. Par contre, très bon bulk hein, ce Pokémon. Hein. Enfin, très bon. Enfin, quand même, hein, une bonne défense et tout. Mais bon, c'est normal, il va évoluer. Par contre, on baisse l'attaque. Hein. C'est chiant ça. Est-ce qu'on n'a pas des bons aromates? Lâche, bah non, lâche c'est nul. Ça c'est nul aussi. Tape tout sur l'attaque, donc ça sert à rien. Beau les items vraiment, enfin je te dis je les trouve beaux. Content de jouer à Pokémon bordel. Oui toi, ça va? Tu sais que t'es trop mignon. Tu veux pas que je te capture? Faut qu'on regarde les natures, on n'a pas regardé les natures. Tu veux pas que je te capture? T'as des natures les talons. Genre, t'auras une place spéciale. Place spéciale dans la boîte PC où tu ne bougeras plus jamais. Mais bien nu. Coupe-note, Pokémon Crow de type dragon. Si on aperçoit les marques distinctives des crocs de coupe-note sur les rochers et les arbres, c'est qu'il y en a un qui vit probablement tout près. Bien vu. Ah. Ouais. Franchement, ça me paraît logique. Alors du coup, le talent. Bainsav. On s'en fout. On s'en fout. Et Isogresse, ok. Isogresse, ça peut être cool. Je me demande si lui, il a une... Il a forcément une autre, parce que vraiment... Enfin... Pas une salle. On a foutu de Ben Sable. Oh, toi là, t'es petit. Et lui là, il est gros. Oh, Magneton, on l'a pas. On n'a pas Magneton. Ça va, en vrai, les Rapid Ball, en général, elles marchent une fois sur deux. Putain, non, Magneton fait un effort, sérieux. Calme, s'il te plaît. On va faire tunnel, je pense pas que ça tue. Puis au pire si ça tue. On prend les trois magnétons qui a... enfin les trois magnétiques qui à côté, on les colle.
On a que deux. Ah, on peut pas. Dommage. Oh bah, il a fermeté. Par contre, je viens de capter, mais on a toujours aucun qui peut prendre fauchage. Mais bon, on va avoir notre faucheur légendaire Chapignon. Orbe toxique soit en poison. Sera là pour faire les combats qui durent longtemps. Enfin, même si en vrai, orbe toxique soit en poison, c'était très très bien pour les chaînes SOS. Hein. Après, pour les chaînes SOS, il y avait mieux. J'ai plus exactement la technique, mais il y avait des techniques du où en gros tu envoyais des bémépo sur le Pokémon et du coup il remontait ses PP, donc du coup bah il mourait pas, donc en fait juste t'en avais un qui changeait H24. Au lieu de t'en tuer un à peu près, enfin moi je tuais tous les 20 tours à peu près. J'essayais de tuer tous les 20 tours. Et de faire un changement de Poké tous les 20 tours. Il est là aussi. Par contre, c'est trop demandé d'un shiny, quoi. En vrai, c'est trop. Bon, par contre, du coup, je sais pas. En même temps, vous allez me dire, à aucun moment j'ai su vraiment où j'allais, quoi. Mais là, je sais vraiment pas où je vais. Ces Pokémon esselés là. On pourrait croire que c'est tous des Orua ou des Métamorphes. Allez, on sort l'appareil photo. Ourbelin. Ourbelin. Ah, en vrai, on n'a pas regardé les CT qu'on pouvait craft. On n'a pas regardé non plus d'ailleurs. C'est vrai que du coup, les autres, on les a depuis longtemps. On pourrait regarder. Enfin, longtemps en vrai, on l'a pas depuis si longtemps que ça au final. Orgelina. Bah, dis donc, calme-toi. Pas regarder les capacités fulgure et glo. Oh bah tiens, petite attaque. Petite avalanche, tu vas faire une petite attaque là? Non? En vrai. En vrai, je pense que petite attaque peut apprendre Crovibre. Hein. Ouvre la bouche. Non. Non, non, Crogif tient pas. J'ai une acouphène trop bizarre à gauche. Non, c'est pas un sifflement, c'est un ouh. Résumé. Réapprendre. Alors, coup de main, mâchouille. Mâchouille, mais mâchouille, je l'avais pas enlevé. Morsure, l'échouille.
Non, moi, c'est bien là. Ah, éclat glace. Éclat glace. Une prio. Toujours bien. Contre les deux ont accès à repos. Hein. Bon, la place de bélier, oui, franchement. On a foutre de bélier. J'ai pas envie de se prendre des dégâts pour faire si peu de dégâts, quoi. Et les sachets sont heureux encore. Ah là, depuis le début, les sachets sont heureux. Hein. L'incisage sauvage brise le moule là. Et bah brise le moule. Petite câlinerie, 7 niveaux d'avance, c'est le curap. Toi tu es. Ouais. En vrai, pas grave. Nembelios, Nembelios. Il y a un centre Pokémon un petit peu plus haut. Ouais. Bon, toi. Non, on avait pas capturé. Pas capturé loup-garou. La diurne là. Pas drôle, le Garrock. Il a envoyé une super boule. C'est pas ce. C'est pas envoyé une rapide boule. Non, mais. Ah oui, c'est mal. Par contre, ton bureau, il est rapide. Hein. Voilà. Après, j'ai des niveaux d'avance, donc ça se trouve, ça joue à pas grand-chose, mais... Fermeté. Même pas. Non, j'ai eu de la chatte. Attends, il a accès à fermeté, loup-garou? Je suis pas sûr. Hein. À un moment, tous les... Tous les petits proches n'ont pas fermeté non plus. Hein. Regardez, bénissable et impassible. Ah oui, c'est vrai, impassible. Ah non, ton passible, c'est ouais, ça annule garde, il a esprit vital et regardez. Ok. Il a la forme crépusculaire à griffe dure. Ce Pokémon particulièrement féroce n'a pas peur de se blesser si cela lui permet d'achever son adversaire. Les données de loup-garou ont été ajoutées dans le Pokédex. Ah. Ok. C'est dur ça. Ah, on a même pas de cette dur ça non plus. Il y a tellement de Pokémon qu'on en oublie les Pokémon qu'on a capturés quoi. C'est un truc de fou. Par contre, elle est où Orsaring? Pédiursa, Pokémon mini-ours de type normal. Lorsqu'il est anxieux, il lèche ses pattes qui sont constamment couvertes de miel et retrouve le sourire. Trop mignon.
Oh, mignon. Du coup, j'ai vu Ursaring, je crois, quand on le voit montrer sa petite tête à droite là. C'est sous la gauche. Il est là-bas. Oh, sa démarche. Oh, il avait envie de me casser la gueule. Par contre, ouais, le centre Pokémon, il est en bas. C'est fiqué. Du coup, faut que je descende et que je remonte après. Oh, on va aller le chercher quand même. Ursaring, Pokémon hibernant de type normal, il escalade les arbres avec brio si au sommet il croise un colossinge. Alors qu'il cherche des baies, une querelle éclate inévitablement. Oh, il me pète les couilles, les Teddy Ursa là, vraiment. Mais d'une violence. Bon, on va regarder les CT. Vite fait. Je peux créer des CT. Comment on peut les trier? Par CT réalisable? Non, ah, dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse les trier par apprenable par les Pokémon qu'on a là. Du coup, il peut apprendre tous les crocs, bah logique. Lequel serait le plus utile? Croc feu. Croc éclair pour le type vol. Oh non, en vrai, crochet. Ah merde, il faut des poils de Polarune. Oh, tant pis. Non, je vais pas prendre un Crobatine. Effacier. Ouais, je vois. Non. Mais est-ce que du coup baigne sable? Ah, ça le protège quand même de la tempête sable. Intéressant. Ça va augmenter la puissance des teams tempête, hein. Comment elle les appelle pas Sandstorm. Plus Sandstorm. PDR par contre ça donne envie. Rio hein. Pirouette hein.
Alors ça, c'est une attaque très forte, hein. Ça détruit le champ actif. Bon, je sais pas si on va vraiment voir des teams avec des champs, quoi, mais... Ouais, vert, là. Antise. Ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vers le monde AP. Bon, on va y aller. On va y aller vers le monde AP. Bon, je me suis dit qu'on allait pouvoir monter par là. Même pas. C'est quoi par là? Vers Mesclamora, ok. Lui est vu le max. Ouais. Oh le drift. Il neige le gros flocon. Ouais, c'est vrai que t'as l'air de prendre plein de neige dans la gueule. Ouais, t'aurais peut-être plus te couvrir quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on serait pas au RP? Est-ce qu'on se mettrait pas en uniforme d'hiver? Pour être un truc quoi. C'est vrai qu'on a rien contre le sol. Enfin, on a des trucs contre le sol. Mais on a rien contre le sol haut. En même temps, le sol haut. Mais bon, au revoir Tritosaur et je me dis il va encore être champion du monde quoi. J'ai vraiment fait ce que je viens de faire. Encore un tritosaure. C'est pas drôle. Pam 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 pam. Est-ce que ça enlève la para? Oh, trop nul. Trop nul. Trop nul. En plus, j'avais de quoi l'enlever. Oh, ça, ils auraient pu faire un effort quand même.
Sous lourdeau, on rappelle le 2 sous lourdeau. On pêche 2 sous lourdeau, quoi. Et vu comme ils sont partis, en vrai de vrai, un 3 sous lourdeau sur une... sur un prochain jeu, c'est complètement faisable. Pensez à un truc. On vient de récupérer. On a un nombre d'huiles fou, 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 fou. Ouais, j'en ai que un, Norman. Je me disais bien. Ça me semblait pas illogique comme évolution. Belzebuth, Balbabez, Pokémon baleine à pied de type glace. Il emmagasine de l'énergie de type glace dans la corne de sa mâchoire. Il est si froid, qui est si froide qu'elle jette tout ce qui se trouve alentour. Il y a un monde où il y a une troisième évolution. Mais bon, non. Il n'y a pas de monde où il y a une troisième évolution. Une évolution avec une pierre n'a pas de révolution. La pierre finit la chaîne évolutive. Je suis où là? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est arrivé là? On peut descendre par là. Je sais pas où on va, les gars. Ah! On arrive où là? Ok. Le mec il vient de faire chier là. Dégage Persian. Regardez si du coup Babaz il a un autre talent. Je pense pas en vrai, hein, parce que le changement de talent avec les évolutions. Ouais, on se sent. Bon. Le pote vexé. Voilà, ok. Mais c'est quoi ce truc? Rigoto? On le capture, on va mettre les balls que j'ai dit en favori. Hyper sombre rapide, enfin hyper rapide sombre.
frigo d'eau. Dragon glace. Dragon glace, les gars. Il vit dans des zones rocheuses et les forêts. Sa crête dorsale lui permet de refroidir l'intérieur de son nid à la manière d'un congélateur. Use-nous, Balbabez. Mais bon, un double type, c'est toujours mieux. Mais attends, mais Roue de Fer, c'est vraiment un Pokémon, du coup? Oh, la loose. Ah, la loose. Non, on va pas retomber là-dedans. Curieux, quand même, ce Pokémon. Rigodo. J'ai hâte de tester les courses de glisse. Ah, bah on sait ce que va être l'épreuve. Une course de glisse. Oh, l'XP, merci. Merci pour l'XP, merci pour les travaux. Il est en train de paniquer, laisse le gamin derrière le dresseur. Antise. Ouais, je sais pas. Hein. En vrai, Antise, c'est chouette, mais... Ouais, en vrai, on a déjà de quoi... On a de quoi faire contre le type acier, donc... Ouais, pas que contre ça, mais... J'ai battu Inès l'étudiante. Par contre, je n'étais pas venu pour perdre. Ah bah. On va tout avoir. Hein. Ce manque de respect. Je rêve où tu respectes pas la montagne. C'est vrai que je peux pas respecter Séraphine là. Ouais, je vais vraiment pas te respecter, ouais. Ouais, finito pipo, hein, le respect. Comment ça tu résistes? À quel moment je t'ai autorisé à résister à ça? Non mais... C'est n'importe quoi. On va mettre Frigodon en 1. Tiens d'ailleurs Frigodon. Encore une nature qui bête. Il tape encore. J'ai encore un Pokémon qui tape sur le physique. Et encore une nature qui me baisse. Qui me baisse ça quoi. C'est... Quoi ton talent? Thermodynamique, ok. Ok, ok. Bon, il a une résistance feu, en vrai, c'est pas mal. Après, bon, le fait qu'il soit dragon, je pense pas que l'attaquer sur le feu, dans tous les cas, c'était utile. Bon, donc, du coup, nous sommes arrivés au monde nappé. Très bien. Et est-ce que, d'ailleurs, j'ai bien mis l'endroit où je voulais aller désormais? Non, c'est là que je vais aller, hein. Maintenant. Mais il est encore là, j'ai un éclat. Degré, c'est... Oh, c'est vilain! Oh, c'est vilain! Ah, tiens, en vrai, il y a moyen.
Ouais, c'est bon, ça fait de bons dégâts. Hein. Représailles. Alors. J'ai eu peur. Ces stats, elles sont pas fofolles, hein, à Frigodo. Tiens, qu'est-ce qu'il va prendre? Danse plume, danse plume, danse plume, danse plume. Danse plume. Non. Et au Pico, on va changer de Pokémon, ouais. Et on a rien contre le type O. On a rien contre le type O. Rien contre le type O. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Forgelina. Avec Kalinerie, c'est 95. Hein. De précision, quoi. C'est... Faut pas abuser, quoi. J'ai raté Kalinerie un nombre de fois. C'est un truc de fou. Naël. Eh ben, mes aïeux. Moi, je m'attendais quand même à un Pokémon. Enfin, un Pokémon, oui, aussi, c'est ça. À un Pokémon qui avait vraiment Isogresse, quoi. Bon, apparemment, non. C'était trop pour eux. Tellement d'endroits à explorer. Regardez le corbeau là. En vrai, j'espère que ce sera un bon Pokémon, son évolution. Il y a même moyen qu'il en ait deux, Frigodo. Il y a vraiment moyen qu'il en ait deux. Après, il y a des dragons qui n'en ont qu'une, genre Sonistrel et Bruivern. Ouais, d'accord. Faire à la queue en solo, quoi. On n'a pas mis les Pokéballs en favori. C'est un truc de fou. Non mais aussi... Enfin... au moins un petit effort histoire de... Alors je te demanderai... Le taux de capture de cette Pokéball est à 4. Ok. Ouais, obligé de menacer quoi. C'est un truc de fou. Niveau 40. Laser glace. Mais non, ça te servira à quoi laser glace? Même avec une baisse d'attaque physique, t'en as quand même plus. Hein. Ouais, la place de Bélier en vrai. Parce que ça reste quand même 90-100 la Zaglace, donc ça reste quand même une attaque très forte. Corboss, Pokémon Big Boss. D'un simple croassement, ce Pokémon nocturne peut rassembler une centaine de ses sbires les cornèbres. Intéressant. Hein?
Pourquoi c'est pas dans l'overworld qu'il évolue? Oh, il a une troisième évolution. Oh, il est rigolo. Cryodo. Il a forcément une troisième évolution. J'adore. Pokémon Glaceleon. Ce dragon glace, ses pattes et son dos musclé lui permettent de faire des sauts périlleux puis d'attaquer ses adversaires avec des lames glacées de sa crête. Ok. Ok, ça me va. Bien, ok, ça me va, comme si j'avais le moyen de le changer. Genre maintenant, ça me va pas, vous me changez cette évolution. Au cas où. J'ai roulé sur un frissonnier, chef. En vrai, faudrait que je les fasse XP, du coup, lui, et puis... Et puis... Tout tombe. J'ai plus le nom... J'ai plus le nom. Mini Draco électrique. Non. Oh, le Nemelio sans gang. Est-ce que par hasard... Je sais pas à quoi ça sert les pièces de Mordidor. Enfin, on m'a dit qu'il y avait un trailer donc... Un trailer où il présentait Mordidor justement. C'est vrai qu'il est dans Pokémon Go aussi apparemment. Honnêtement, l'exploration est quand même longue hein, dans ce jeu. Enfin, c'est absolument pas péjoratif par contre. Et quand je dis longue, c'est qu'il y a vraiment des grandes zones. Et le jeu n'est absolument pas vite, des objets partout. Il y a vraiment des objets partout. T'as des Pokémon à découvrir partout. C'est un truc de fou. Comment on y va là-bas? Voilà, hein. En vrai. Je pense. Bon, on va être RP. Non, là. J'ai un bonnet? Non. J'étais déjà en uniforme d'hier, merde. Dans ma tête, il y avait un... Ah bah non, on peut par là. On peut par là également.
Marrant qu'on trouve des Némélios ici. Ah, va-t-elle nous sortir un tag-tag? Non, en vrai, je pense pas, ce serait trop simple. Florge, oh, j'aime vraiment le Florge blanc. J'aime beaucoup Florge, par contre, type dragon. On va pas le tenter, hein. Direct toxique. Dentycris. Ok, ok. Ah, direct toxique. Hein. On peut s'embêter. Oh, le crit. Oh, le poison qui va tuer Dentycris. Ça, c'est beau, ça. Peut-être pas, du coup, c'est vrai qu'il y a le champ herbu. Eh bien, du coup, non. Mais on va simplement pré-shot. Et on va... Moi, je sens bien. Je sens bien. De toute façon, il va me faire une capacité type O. Je renvoie Cryodo. Il m'a fait psychocro du coup, rien à voir. Non, c'est vrai qu'en plus il m'a fait psychocro, je crois. Je sais plus. De toute façon, ouais. Qui êtes-vous pour me juger? Qui êtes-vous? En Goliath. Hein. Ah, j'aurais dû changer. Hein. Allez, va faire un petit marteau mastoc. Fais-toi plaisir, Forgelina. Angelina MVP. C'est réellement la meilleure. Vers l'arène du Mont AP. Ah, c'est Mont AP, c'est la... C'est une ville? Partique, oh! Oh que t'es belle! Oh que t'es belle! Que t'es belle! Oh, pas cool, hein. Franchement, pas cool, hein. Oh, je pensais faire plus de dégâts. Débile. Les Pokémon sont débiles. Nice ça. J'ai même pas essayé la Rapid Ball.
on a pas mis les... C'est un truc de fou. Pour comment ça se fait que j'oublie? Favori, 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 favori. Momartic favori, Pokémon favori, enneigement, type glace spectre. On dit que Momartic gèle ses proies grâce à son souffle à moins 50 degrés Celsius avant de les exposer dans sa tanière. C'est horrible. Genre, je jure que je sais pas si c'est les mêmes du coup dans Écarlate, mais enfin c'est pas forcément les mêmes, mais dans le Pokédex de Violette, la plupart des descriptions sont dramatiques selon moi. Et blanc sa mère. Mais en vrai, ça va parce que dans épée et bouclier, le blanc était, enfin le blanc neige était bien plus blanc. C'est un truc de fou. Grelasson, 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 son, son, Grelasson, son, son. Ça n'a rien changé. Peut-être que je trie. Fallait refaire un tri vite fait. On va essayer. Grelasson, Pokémon glaçon de type glace, il recouvre son corps d'une couche de glace protectrice créée par son souffle à moins 100 degrés. S'il croise un frigo d'eau, une bagarre éclate. Eh oh, calme! Les farfurets là. On a déjà tas d'oiseaux. Tas d'oiseaux. Tas d'oiseaux qui rentrent pas. On aura tout vu. Ça les a même pas triés ici. Oh, c'est nul. Non, mais je viens de me rendre compte de ma bêtise. Bon, bah, Criodo, excuse-moi, tu es mort pour la première fois. De toute façon, je suis un mauvais dresseur dans ce jeu. Je les laisse mourir à âge 24 ans. En vrai. En vrai, de vrai, ils meurent tous, tout le temps. Alors rien lui faire, il est level 36. Oh, rien lui faire. Ah si. En vrai, ça devrait. C'est bon, c'est bon. Pique. Allez hop,
4 oiseaux Pokémon livraison de type glace vol. Il a toujours de la nourriture sur lui. Lorsqu'on l'attaque, il la jette sur son agresseur pour se protéger. Oh oui. Ah, il a pas d'évolution, 4 oiseaux. Eh, Farfuret, tu vas me casser les couillettes dans mes pattes. Hein. Genre, vraiment? Tu me saoules. Voilà, à un moment... Stop. Et par catégorie, vu que de toute manière ça change rien. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, oh, les Farfurets sont en train de me casser les pieds. Hein. Pour me faire 14 de dégâts. Insupportable. Un archéologue. Ok. Y'a quoi là? Un polarum. Le pauvre polarum, je lui ai roulé dessus en voulant récupérer un objet, je sais même pas c'était quoi l'objet. Blizzard ou Blizzy. On est plein de bonbons rêves en fait. On va tout donner. Voilà, histoire qui rattrape un peu. Oh, ça rentrera jamais par contre. Taux de capture de Poulog Riff avec la Rapid Ball, jamais ça rentre. Je l'avais dit. Jamais ça rentre. Polagriff, Pokémon congelé de type glace, il aspire la crainte dans les terres du Nord, ce qui lui vaut le surnom de démon blanc. Il attaque ses proies de ses griffes et de ses crocs de glace. Et de sa belle barbe, non? Ouais, pas mal la barbe. Clin d'œil, clin d'œil. Il est où le bizarre, hein? Reviens là! Ah voilà. Ah non. Ouais, je t'ai pris par surprise, Blizzard, tu m'excuseras. L'artège, rien à foutre. Il est trop mignon! Tente, puis après j'envoie
Ah, il va se faire buter, non? Je voulais envoyer Charbambin. Wow. De toute façon, il fait que mourir, donc... Ah ok, il y a un coup critique. Vraiment, c'était... Ça en était terrifiant pour moi, là. Bien que ce soit x4 à 80, hein. Bon bah tant pis. Pas de bizarre roi, puis un petit peu d'XP, quoi. Encore envie de nickel. Wow, 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 wow. Mais... Ekusagelusama. Il est beau. Par contre, j'ai la belle d'avance. Hein. J'aurais dû faire la reine de type place avant la reine de type psy. Quoique. Non, ils étaient à peu près le même level. En vrai, ça aurait rien changé. Oh, on n'a pas fait de cours depuis le début du live là. Fait mal. Fait très très mal notre ton bureau. Vous avez attrapé Exagel. Niveau 47. En vrai, je pense qu'un niveau 52 pour son évolution, ce serait pas mal. Exagel, Pokémon cristal de type glace. Il enserre ses ennemis à l'aide de ses chaînes de glace et les gèle en un instant. Ok, mec. Oh, c'est trop chiant. Oh. En vrai, c'était une bonne chute qu'on a fait là. Par contre, je m'attendais pas à trouver un spiritum aussi. Il y a un truc. Je pense que c'est mon Google Home qui a parlé, mais ça fait flipper quand même. Non, on va pas à Terra, non. La Terra Dragon, j'aurais préféré la Terra Glace quand même. On va faire plus de dégâts, excusez-moi. Mais... Bon. Ouais, vas-y, terrestre. On va faire... l'empoisonner. Certain.
Certains, je vais l'empoisonner. Et je l'empoisonne. On va éviter de lui faire trop de dégâts. Bon. Ou un poison qui a trigger beaucoup de fois hein, quand même. Ah mais merde. Impeccable. En contre c'est vrai du coup Spiritomb j'aurais bien aimé une quête quoi. Spiritomb Pokémon interdit de type Spectre Ténèbres. Ce Pokémon composé de 108 esprits a été enchaîné à une clé de voûte pour l'empêcher de nuire à nouveau. 108 esprits, t'imagines un Pokémon de 108 esprits? Dingus hein. Oh les farfurés. Pétition pour retirer les farfurés du jeu. Là je vais pas pouvoir faire non plus. Tout de même. Bon je vais devoir acheter des soins à un moment par contre. Allez hop, on remonte. C'est bon. Ah, excuse-moi. On a pris un mur parce que je pilote très mal. Comment vas-tu mon petit Givrali? Dis-moi. Ça va? Ok. Tu viens avec moi? Et câble. On aime les rapides volants. Givrali, Pokémon poudreuse de type glace. Il abaisse sa température de son corps pour transformer ses poils en aiguilles de glace qu'il projette sur l'ennemi. T'as tapé une petite accélération en trombe là. C'est pas forcément des plus utiles. Ah, j'ai cru un truc. Bon, je pense que la ville, enfin c'est même pas je pense, c'est la ville de l'autre côté. Mais j'aimerais bien explorer encore en vrai. Non, est-ce que par là en fait ça nous fait pas... Ah si en vrai hein. Je pense que par là, ça nous fait descendre par là. Ici. Ouais. Allez. J'arrive pas du tout à l'endroit où je veux aller. Mais alors pas du tout. Ouais, mais toi t'es une dracologue. En fait, je t'explique. Bah, j'ai un Pokémon qui te bat quoi. Oh, je pense que ça le fait sur Draco. Ouais, parfait.
pas plus curieuse que toi. Alors c'est putain, c'est vrai qu'on peut faire ça. Mais j'oublie, hein, vraiment j'oublie. Ah si, je suis au bon endroit. C'est là qu'on va se bagarrer. Mais y a rien ici. C'est une arène vraiment pour une montagne, il n'y a pas de ville en fait. Pas 10% qui arrive à faire ça aussi bien. Ah non, à faire aussi bien. Mais c'est... Enfin, tu me poses la question, mais laisse-moi te répondre. Non, tu penses pas? Tu vas pas avoir froid? Je suis pas sûr que ça me fera un si bon entraînement que ça, mais bon. Tous les coups, je vais avoir 10 levels d'avance sur toi. Menzi la dresseuse. Oupi. Ça va à l'avance. Ouais. Ouf. Ouais, on va peut-être s'en aller. Quoique, non, on y va. Eh, hey, t'es le meilleur, Créodo, t'inquiète. Ok, par contre... Eh, hey, t'y vas. C'est gravissime. Je te jure, c'est gravissime. Mais de toute façon, je vais plus jamais toucher, hein. Ça m'a saoulé. À un moment. Ça devait être surmonté avec une pierre foudre. Et du coup, celle-là doit peut-être vraiment être forte. Mais bon, il s'est levé sur ses pattes, après il a des cheveux qui a poussé quoi. Bon, en vrai, je suis bien avec mes poké là. On a du coup Criodo qui remplace Mister Pomote et Pomarmotte du coup là. J'ai encore oublié son nom. Je l'ai qu'en lisant, c'est un truc de fou.
Tombero. Ça tombe. Tombero. Tombero qui est pareil. Qui remplace Flamme Roule. En même temps, Flamme Roule, il avait qu'à évoluer. S'il avait évolué, je l'aurais gardé. Ah oui, c'est vrai que t'es réfractalisé. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il appelle la déléguée, mais au final, c'est la présidente du BDE, quoi. Plutôt. Elle est trop mignonne. Plutôt prometteur pour la suite. Bien sûr que c'est prometteur, c'est... Ah non. C'est moi. Bon chat. Course de glisse, ouais, c'était... C'est tout? Franchement... Quand même, enfin... Ça aurait pu être plus chouette. Ça, ils ont dit qu'il fallait qu'on monte à gauche en sortant de l'arène. Je sais pas si du coup les Pokémon sont soignés, donc dans le doute. Dans le doute. C'est toi qui... Ouais, c'est toi qui... Ok, d'ici vous lancerez votre Pokémon Tour pour glisser sur cette piste entourée de nature. Pour réussir l'examen de l'arène, vous devez atteindre la ligne d'arrivée avant la fin du chrono. Carrément. Joue à Mario Kart, frère, hein. Descendre du vrai, je connais. Hein. Tout le foot qu'il a dit. C'est rigolo. Ok, ok, ok. Putain, ça fait penser à Taille le Tigre de Tasmanie encore. C'est fou, ce jeu me fait beaucoup penser à ça. 3. Ah. Non. Ça va juste mettre un go, ça va pas faire 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui... Bah, tant mieux. Les animations là sont trop cool. Hein.
Le Freeze Rider. C'est moi, ouais. Le Freeze Rider. The best Freeze Rider. Ouais. En vrai, ouais, j'ai essayé d'y aller directement avec mon frigo là. Il est mignon. Là. Ah, te voilà. Tu vas vraiment se voir ici. Ouh. Oh, un challenger. Ouais, that's me, my boy. Je m'appelle Grusha, je suis un snowboarder. J'étais même pro avant. Maintenant, je suis champion d'arène. Je t'ai vu tout à l'heure, c'était cool. Mais te laisse pas compliment se monter à la tête. La montagne est dangereuse. À mon virage, suffit à faire derrière le cours d'une vie en un instant. On voit de même pour les combats Pokémon, c'est toujours quand on commence à les maîtriser que ça devient le plus périlleux. C'est pas toujours le meilleur jour pour me défier, j'espère que tu as une bagarre. Elle va se mettre en colère. Enseigner la réalité sauf faire d'un peu de neige. Belle de neige. Pas étonnant. Insecte glace. Écoute. Tu sais ce qui va mal finir pour toi aussi? Plein de trucs. Oh, par contre, mon arrière, très très bien pensé ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, il fait mal le blizzard. Ouais, donc on tue Belle de Neige et ensuite on envoie Charbonbain. Même si en vrai là, Charbonbain il aurait fait Bubu Lave, il se serait régalé. Vous allez avoir froid, hein. Fermez vos vestes les spectateurs là. Oh non, on va pas prendre ça de l'otage. C'est non. Changer de Pokémon, on va essayer Charbonbain quoi, mais et vu Lilave, il y a le vent arrière donc. Allez, finito Charbonbain. Oh là 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 là. Ouais, bah vas-y Forgelina. On va faire des marteaux mastoc. Puis le prochain de toute façon ce sera mon Pokémon donc tu vas pouvoir faire câlinerie. Je suis à peu près sûr. Il faut un nouveau Pokémon de 9 UV dans leur change à Karen. Et un glace dragon. Ah bah non, pas le bébé, c'est vrai. On va du coup continuer sans changer. Ou. Bah non, c'est vrai. Mais arrête. Ou c'est une Terra O.
pour contrer le feu. Ou alors, c'est une Terra Spectre pour contrer le combat. Pardon, un Pokémon... Ah oui, bah non, ça... Un Terra Vol pour contrer le combat, plutôt. Du coup, ça va, je confonds. Ou un Terra Eau pour contrer le feu. Enfin, un Pokémon. Donc, c'est un Pokémon Vol pour contrer le combat. Ok, ok. Et en plus de ça, il a... Altaria a accès à pas mal d'attaques. Première fois qu'on verra un Altaria dans le jeu, du coup. Regardez-moi cette beauté! Ah, oh, c'est vrai. Justement. Un combat est comme une montagne hiver, il change d'apparence en un instant. Et donc du coup, il me semble qu'Altaria a accès à Laser Glass. Il me semble. Il a accès à Laser Glass, donc je pense que ça devait être la capacité signature entre guillemets. Ah bah écoute, moi je brise la glace. Hein. Après, si jamais tu veux les. Ouais. Ouais, je n'utilise aucune capacité de type feu en fait. J'utilise que tes capacités de type acier. Non, rien, oublie ce que j'ai dit. Prends ce badge. Quoi, tu veux. Mais pas enfin. Ils ont vraiment un problème avec les photos et les sandwichs. Ils t'obéiront. Cryo pirouette. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure justement. Ah mais on pouvait pas la craft en plus. C'est vrai qu'on pouvait pas la craft. Et qu'en vrai, ce serait pas mal. Ce serait pas mal sur Stylo Bec. Oh, c'est qui la petite? Oh, c'est la sœur de la chef. Quoi? Une gamine. Ouais, du coup, c'est résumé. Utiliser une CT et je pense qu'on va Cryo pirouette à la place de Cruel. Ah, plus de dégâts et si jamais on tombe sur un type vol, comme ça on s'en débarrasse. C'est comme ça qu'on fonctionnera le mieux. Sans se débarrassant des types vol avec. Ah, avant qu'il nous fasse cette attaque de type vol, justement. Vous pouvez acheter un nouveau cours. J'ai pas envie d'aller en cours là.
J'ai vraiment pas envie. Quel Pokéball ils vont nous donner là? Enfin, ils vont nous donner, on va pouvoir acheter plutôt. Quel Pokéball on va pouvoir acheter? On pouvait pas les acheter les sombres balles? Oh, j'en ai 17. Si j'en ai 17, c'est qu'on a pu les acheter. Bon, du coup. Parce qu'en vrai, t'as l'arène qui est juste au-dessus là. Non, mais en vrai, je pense qu'elle s'atteint par là. Elle va s'atteindre après ça. Je pense honnêtement, on finira par celle-là. Hein. Comme je l'avais dit, là, on va essayer d'aller là. Et je pense que par là on peut l'atteindre. Pas abominable, on l'a pas capturé, je crois. Ouais, par là on peut. Regardez, on voit le camp là-bas et on voit à peu près le chemin. Ah si, on l'a. Excuse-moi, crabe abominable. En fait, je m'en fous de toi. Je suis sincèrement pas désolé. Mais c'est quoi toute cette zone à explorer là? Oh là 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 là. Venez, on... Yish! Yish! Ah mais... Reviens là! Sarah Crawl! La Sarah Crawl! Nous n'avons pas capturé encore. On va capturer dès maintenant. Et hop, et là. Et hop, et hop. Seracrawl, Pokémon Iceberg. Glace géant de glace écrase tous les obstacles sans distinction. Et lorsqu'il flotte sur la mer, il ressemble à s'y méprendre à un iceberg. Ah ouais. Ouais. S'il me prendra pas, hein. C'est un truc de fou.